Hello tout le monde! C'est Zazo Okada. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Dieu que ça fait du bien de reprendre Ether Road après plus de 2 mois d'absence. Donc, en fait, j'avais fait une vidéo sur Monster Hunter 3 que je n'ai pas uploadé parce que par manque de temps et parce que l'upload prenait au moins 10 heures. Où donc, j'expliquais un peu pourquoi il y a l'absence et tout. Donc bon, derrière j'ai mes cours, il faut aussi du temps, que ma caméra elle avait rendu l'âme, donc il fallait en plus que j'en rachète une, mais j'avais plein de choses, mon permis, plein de choses qui faisaient que ben je n'ai pas pu faire de vidéo. Ensuite, les vidéos récentes que j'ai mises, je voulais les faire depuis longtemps, depuis août 2014. Mais après, comme je faisais, commencer à faire un peu mon let's play sur Tale of Xillia que je n'ai toujours pas fini. Je voulais vraiment faire ces vidéos. Donc, notamment Sonic Unleashed, je voulais faire toutes mes runs. Je voulais en faire plus, mais bon, ça viendra après. Je voulais faire aussi du Tale of Vesperia. Je comptais faire un peu de Ragnarok Odyssey Ace. J'avais trop de jeux que je voulais faire, que je n'ai pas pu. Bon, entre temps, bah, sur Saphir Alpha, ouais, non, je pouvais pas continuer de. J'aurais fait 2 mois sans faire de vidéo, donc j'ai un peu avancé, mais je ferai peut-être les matchs de la ligue. Enfin, je sais pas. Quoi d'autre? J'ai repris mon activité sur Chronostone, donc faut que je fasse mon match contre Chronostone Nepu. Donc le script pass que j'ai récupéré. Derrière, bah, sur Galaxy, ouais, je ne vais pas dire que je n'ai pas joué, j'ai joué. Mais je n'ai pas up de mes joueurs en termes de niveau. Ça veut dire que j'ai uniquement up donc les techniques de mes attaquants qui me restaient à faire, augmenter le niveau de mes Kenshin. Là sur mon équipe principale, il me reste environ peut-être 2 joueurs à monter. Puis après, il faudrait peut-être que je me concentre sur mes équipes à thème. Ensuite, que je commence à faire mes équipes à thème sur Supernova. Que je récupère, que je fasse le secret, notamment ben Thelma 07, faut que je fasse le secret, vu qu'il me semble que en ce moment tu dois être en vacances, donc je vais finir mon Ether Road et après on fera le secret si tu veux. Comme ça, je up mon équipe, peut te passer un street pass qui est quand même pas mal, comme ça tu pourras faire de bons matchs dessus. Et voilà, aussi bon, ben l'annonce de Chronostone, Brasier et Tonnerre et tout. Bon, sur Miiverse et l'effervescence, je vois tout le monde dire tonnerre, 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 non, Brasier, non, tonnerre, des esprits guerriers plus intéressants. Pour ma part, c'est Brasier le plus intéressant au niveau esprit guerrier. En exclusif, on a un nouveau Kenshin de défense R. Ça change d'un Kenshin Terre. Il y a déjà Tour Blanche, Tour Noir, Xangu, Guerrier du Nord. Kenshin exclusif aux équipes Raimeza, il est très bon. Mais il y a des équivalents, Arios et Léo. Léon. Alors que sur feu, t'as que noir et blanc en esprit carré de dribble. Se choper Igni, qui est le meilleur Kenshin de dribble de feu, ça change. Puis bon, le Kenshin de tir, bah, entre le clone de Fengguang, roi des cieux, et de Kyone, reine des neiges, on choisit. Donc bon, on va se lancer directement le match. Vous voyez une petite caméra, un nouveau rendu, elle est beaucoup mieux que celle que j'avais avant. Va se faire donc cette route, donc celle de Tuco, parce que il y a une dernière équipe que je veux faire. De toute façon, je vous spoil, on l'a déjà raconté, c'est Big Bang. Je veux que le dernier match de Ether Road, on va dire pour le niveau 99, donc jusqu'au temps que je mette Bada pour le niveau 99, se fasse avec Big Bang. Donc on va faire cette route, il y a 0 à se faire. Si l'équipe n'est pas niveau 99, je ne sais pas. Pas du tout quelle équipe. Alors je regarde rapidement sur la Tizen Route. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme équipe? Peut-être Crime Hound sur la route de Rogloss. Ou sinon, on pourrait se faire Uradzeus. Quoique mes joueurs ne sont pas boostés, ils n'ont pas de Miximax. Ça va être dur, ça va être dur. Je sais pas. Alors oui, par contre, il y aura un match que je ferai en off dans la roue de Tuco parce qu'il ne faut que des joueurs terre.
Donc bon, ce sera. Je ferai le maths sans le mettre en rang S pour pas trop augmenter de niveau. Ah, oh, ça fait plaisir, mon équipe niveau 92. Allez, on va se mettre bien. Il y a aussi d'autres personnes qui m'avaient dit que oui, pour les prochains matchs, est-ce que la musique ne fait pas de commentaires? Je conçois, ok, pas de souci. C'est juste que pour Isoroad, ce concept, je veux le commenter. Et après, les autres matchs, bien sûr, je ne serai pas obligé de le faire. Voilà, c'est juste pour l'annoncer. Donc, bah, l'équipe ne change pas. Peut-être quelques certaines modifications que j'ai apportées. Je n'ai toujours pas pris The Earth Infinity à Masala. J'ai mis Majin Pegasus à Urumi. Miri est toujours les mêmes. Diaveru pour oui. Je me suis récupéré d'autres Kenshin. J'ai remis Crazy Sunlight à Garnet parce que Volcanic Fly, j'ai un peu appris le concept on va dire des dernières évolutions, ce qu'elles apportent. Et je pense que utiliser Crazy Sunlight pour avoir une défense à 320 de puissance au max est plus intéressant qu'une défense à 280. Badap, lui, ne change pas. Hazard non plus, j'avais remis Devil Burst, Longa, bon. Karen qui ne change pas. Katora. Ah oui, pour Katora, je voudrais lui mettre un deuxième tir. Dites-moi celui que vous voulez, je sais pas. J'hésite entre Savoir Suprême, Vent Céleste, Attaque Équipe Ultime. Alors, Vent Céleste, Attaque Équipe Ultime, Savoir Suprême. Puis, je sais pas. Peut-être. Tonnerre Céleste, enfin Tenshi Raimei, moi je l'appelle Tonnerre Céleste, je connais pas sa traduction exacte. Enfin voilà, on a 6 minutes de vidéo et on n'a rien fait. Donc bon, l'équipe Speed King, ce n'est pas en soi une équipe super forte parce qu'elle est composée que de joueurs axés sur la vitesse, même le gardien est le meilleur défenseur de Chronostone, donc Kazamatsuri. Je tiens à faire un petit point rapidement sur l'univers, ce gars-là n'est pas bon du tout. Désolé. Je ne sais pas ce que les gens ont avec Fetch Blitzen, mais il n'est pas bon du tout. Voilà. Ça, c'est dit. Ah, Rinko, il est dans l'équipe. Allez, Saka Yarose. Allez, Masala, pour le premier but après 2 mois d'absence. Il fait un miss. Bien, gardien! Chibré minus V2. Donc il va réduire l'engourdissement de ses mains avec ma technique, mais comme elle ne fait quasiment rien, il ne prendra quasiment aucun dégât. Bien, gardien! Pour l'instant, pas besoin de. Wow, Pegasus! Je n'avais aucune chance. Ayato à Kazana Drive. À moins que c'est un Miximax qui le récupère.
Ah, ça vous a manqué. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit et tout sur ma vidéo de Tales of Vesperia face à Spiral Draco. Fais des vidéos sur Eogo 3DS. Oh, l'agression, mon Dieu! Non, t'inquiète pas, je t'ai entendu et regarde, même pas une semaine après, je te balance une vidéo. C'était juste une question de temps, fallait juste que j'arrive à retrouver du temps pour moi, pour faire des vidéos, retrouver une caméra. Après, bon, en soi, le problème, c'est pas au niveau de la caméra, c'est choisir une qui donne un bon rendu. Celle-là, j'ai quasiment même pas besoin de faire de mise au point. Une mise au point particulière. Voilà, en plus, ça donne un excellent rendu, mieux que l'autre. Moi et Souha, oh le gamin. Hey, y a un courrier junior. Tu vois, Bidzen, t'es nul. Ah ouais, bon, le critique qui change tout aussi. Mais où est ma Virgo? Allez, bas coup Dragon Blaster avec un critique! Oh, Kuryu Junior! Et c'est le but! Hey! Oh! Hey! Rio! Je suis fou. V 20 minutes de game, j'ai mis que 1-0. Zigzag Spark! D'ailleurs, notamment sur Chronostone, j'ai refait toute mon équipe. J'ai quasiment changé une bonne partie de mes joueurs. Parce que je n'avais pas d'attaque en terre. Si, j'avais ban, mais je préférais changer. J'ai voulu faire plein de changements. Non, c'était pas possible. Et là, en ce moment, je galère juste pour dropper Evolution sur Eldorado 3. Impossible. Impossible de l'obtenir. Après plus d'une quinzaine de matchs. Oh, Virgo, toute seule, devant les cages. Ah, catch plus 3. Bien, gardien. Bakukazanrai! Orage volcanique! Oh mon Dieu! C'est pas vraiment son vrai nom, mais ça donne ça, Orage volcanique. Bien, gardien! Oups. Bon, pardon. Ah non, 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 non. Alors, attends 10 minutes. Je vais refaire un petit bidouillage. Parce que oui, la nouveauté de ma caméra, c'est qu'il y a une LED. Donc, ma foi, me direz-vous. C'est cool. Mais bon, quand vous avez la LED qui éclaire votre écran et que vous ne voyez rien, c'est pas pratique. Donc voilà, c'est bon. Il se cache dans les dents. C'est dégueulasse. Nani? Bon, ben, un petit 1-0 à la mi-temps.
Dans 1 minute. Bon, allez, on met au moins un deuxième but quand même. On va sortir les Kishin. Aïe! Virgo for the win! Liquid flow! Oh mon Dieu! Ah, le gardien n'en peut plus, je crois même, il a même plus son soul en fait. Show machine nevers! Mota smash! Et si ça c'est pas un but, je me tire une balle. Ok. Parce que face à The Lagoon, j'ai vu le truc. Il va faire un coup critique, il fait un coup critique. Dani! Ta 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 ta. Et Virgo est trop badass, elle bloque tout le monde. C'est Joe Shining Dragon. Oh mon Dieu! So much power, ça fait trop longtemps. Allez, à 1003 de... Ah, qu'est-ce que j'ai dit? 1300! Je sais pas pourquoi je suis sur Miiverse en même temps. Furetsu Ayami. Regardez, vous dites qu'il est bon. Je suis en train de le bloquer. À l'aise. Bon, en même temps, il y a la différence de niveau. Mais bon, tu fais une tech. What? Ah, ok, d'accord. Excusez-moi. Mako, c'est normal que... Ah ouais, non, pas le critique, mais ouais, c'est normal que... Ok! Par contre, elle a quoi comme long shot? Ah ouais, Kotei Penguin 7. D'ailleurs, faudrait que je récupère sa version adulte. Bon, je n'ai pas vu la puissance de la technique, mais je pense que Deep Mist S le bloque. À l'aise! Honnêtement, ce serait mesquin de faire ça, mais je le fais quand même. Orage volcanique explosif. Qui m'attend? Alors, attendez. Substitute. Oui, le truc gris que vous voyez qui est dégueulasse dans mon écran, c'est... Ben c'est... voilà quoi. Mais vous voyez là ma caméra. Je suis en train de vous agresser pour rien. Oui, ça fait moche, mais bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Excusez-moi. Sinon, vous avez un gros flash en plein milieu de l'écran.
trop méchant, j'agresse les autres. Allez, Sakaya Rose, on a 4-0. Ah, lui, ça fait longtemps que j'avais envie de l'invoquer. Ma Senshi Pendragon! Pardon. Hazard raid de tout seul. Il arme son tir. Il tranche le ciel. Une boule de feu se forme. Mais c'est quoi ce bordel? J'suis en train de me poser une question. On montre Inazuma Eleven, donc on va dire la saison Chronostone ou Galaxy, à une personne qui n'a jamais connu Inazuma Eleven, qui a eu l'habitude de Olivier Tom, l'école des champions, donc Captain Tsubasa, Gunbare Rudy, donc but pour Rudy. Comment la personne a réagi en voyant ça? Non, c'est la question que je me pose. Attendez un peu, excusez-moi, désolé. Voilà, j'ai touché, j'ai fait la merde. Fallait que j'arrange un peu le visuel. Dieu que j'ai faim. J'ai faim. Et hop. What? J'ai perdu tout ça? Water Fall. J'ai pas de miniature pour. Ma Senshi Pendragon arme d'eau. Merde. Jolie puissance. Oups, pardon, désolé. Sous un coup de folie, je me suis laissé emporter. Désolé. Maladie passagère. Je suis en train de penser en fait, Virgo, je n'ai toujours pas mis de dribble. Il serait peut-être temps que je lui en mette un. Désolé de mettre ma grosse main, mais bon, c'est très difficile de jouer avec une partie de. Bien, Shinkoma. Ouais, je dis, c'est dur de jouer avec une partie de. De main là, enfin. Vous avez compris. Bah, on finissera en S. J'ai oublié de vous dire un truc. Attendez. Ah oui, speed plus 30. Ok, d'accord, soit. Photo. Suite à... Ah.
l'aide d'une personne. Bon, j'avoue, je l'ai un peu fait chier avec quelqu'un d'autre pour ça. Mais ça a porté ses fruits. Il y a très peu de temps, avant-hier, des nouveaux QR codes sont arrivés, les manquants. Ouais, en même temps, si je dis ça, alors que je suis pas au bon endroit pour vous les montrer. Donc, il manquait des QR codes. Moi, j'avais vu que sur le wiki, qu'apparemment, ils étaient dans un magazine. Et ils ont vraiment été mis, donc. Les derniers, elle dont je ne me rappelle plus son nom, Gourami Anabas! Oui, le dernier habitant de Sazanara, qui dit à Matatagi que oui, c'est une personne assez solitaire, patati, patata. Je l'attendais, il est là, j'ai déjà recruté sur Supernova, j'ai pas encore assez de pièces pour le prendre sur Big Bang, mais lui, je le prends. Il y a lui, il y a elle. D'ailleurs, j'ai pas tous les objets. Et donc, il y a deux, les deux derniers QR codes sont deux techniques. Je crois qu'en plus, je les ai. Ouais, voilà. Il s'agit donc de Z slash et Parkour Attack. Voilà, c'était vraiment les tout derniers QR codes. Les deux seuls. Alors, attendez, je regarde qui manque rien. Oui, les deux seuls qui me manquent, ça doit être avec la connexion de Mamoru Densetsu. Ouais, donc Gusetsuji et Dodo. Ah non, il en reste un. Il en reste un. Ah oui, celui-là c'est Tensuru, c'est le Miximax Tenma et Tsurugi. Voilà, je me disais que. Ben voilà. On est reparti dans Ether Road. J'espère que cet petit épisode, après 2 mois d'absence, ben, vous aura plu. On va bien sûr le finir Ether Road tranquillement, bien comme il faut. Donc j'ai déjà annoncé les prochains matchs. Bon, d'ici là, j'espère que vous reprendrez plaisir à regarder donc mes vidéos. Maintenant que j'ai ma petite caméra, j'en ferai plus souvent. Tant qu'elle ne me lâche pas, c'est parfait. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, un futur bon week-end, bonnes vacances à ceux qui le sont, donc c'est la zone B. Il me semble. Dans la zone C, oui, on est en zone C. Mais moi, je ne suis pas en vacances. Donc, bonnes vacances à la zone C. Futures bonnes vacances à la zone A et à la zone B. Joyeux Chandeleur à tous. Je sais pas c'était quand. De toute façon, je n'ai pas encore mangé de crêpes. Joyeux Mardi Gras et toutes les fêtes qui vont avec le mois de février. Allez, peace!